Responsable syndicat travail l'hôpital général a dénoncé mauvais fonctionnement institution. Selon une dirigeant syndicat, même fiche médecin yo pas joindre pour faire prescription à cause problème budget. Sous Bopal, directeur HUEH la docteur Maurice Fismainville fait connaître ces malhonnêtetés en pile membre personnel l'hôpital là qui est à la base mauvais fonctionnement puis go l'hôpital pays. Reportage Robinson Henry à Réginal Jean-Louis. En plus service radiologie l'hôpital général là qui pas fonctionner dans moment, gen une série problème puis simple. Tant que bon jamat là qui pa gen pour yon série malade couché k'ap brasser bil institution. Secrétaire syndicat travail HUEH là Jean-Louis Etienne a expliqué. Même comme l'hôpital là qui sort l'hôpital là mon petit comme malade du pays pour faire passe pour ceci pour cela pour l'autre bord l'arrivé dans ministère pour vivre en fait pas j'aime bien vivre en fait ça vient en que mat là le pas nous sommes regarder là dans urgence regarde mat là mal approché c'est pas mat là lié ça c'est ba yo mettez là c'est justement ba là li sale. Il sentit qu'il a calivé et fini tout urgence sans tout pas recevoir malade hospitalisation raison pour tête mat là non grand l'hôpital dans l'hôpital général pour ce type bon oxygène dehors pour mon a pas acheté ça c'est anomalie grave pas qu'a signé pour mon signé parce que pas gain langue même ça aurait et quand les prescriptions c'est docteur qui a venir faire blanc qui vient à faire blanc pour mettre sous lit pas pour pas gagner prescription c'est docteur qui vient avec gamme papier pour faire prescription pour maladie. Selon syndicaliste là c'est pas seul l'administration l'hôpital général là qui responsable mauvais fonctionnement institution. Jean-Louis Etienne Longé doit être sur la trier infirmière et médecin service qui pas ta rempli fonction yo comme ça doit. Nous tout profiter dénoncer infirmière nous tout profiter dénoncer médecin service yo qui pas jamais équipe à jambe vient travailler les ouvriers qui viennent ils signent et aller vous gagnez mes services tous ces chaque les chèques où est yo gagnez mes services gagnez mon ouais l'hôpital général chaque les chèques où est yo pas jambe où est yo l'hôpital là c'est seulement les chèques les mois arrivés yo gagnez chèques bon qu'on a une question de vieux manque fait sous canet qu'on a pas eux même directeur l'hôpital général là docteur Maurice Fismainville a bail disons sous question globalité il y a plusieurs volets il y a l'administration des soins il y a l'administration des étrangers. Il y a du matériel, que ce soit matériel et des équipements. Ce ne sont pas qu'un volet lié. Tout le monde est mal fait. Mal fait, non. L'hôpital n'a pas de gens de gros bagages rationnels qui t'a fait. Il a marché. Mais il faut mettre accès sur eux. Mais c'est le monde pour mettre accès sur eux. C'est un moyen pour mettre accès sur eux. Moi-même, matériellement financier. Là, l'hôpital n'a pas de gens. Mais moi-même, pas pour vivre comme ça, vivre comme ça. Moi, je dis, il faut mettre mes normes d'organisation. OK? De gestion organisationnelle. Et puis pour moyen ou vini, moyen humain, moyen matériel, moyen financier. Les ou vini, n'a pas géré au mieux. Ces réformes HUEH, là, qui a résolu le problème fonctionnement de l'hôpital général, là, déclaration directeur institution, hein, qui dénonçait un pilement personnel, là, lui dit, qui n'est pas honnête. Pendant que nous parlons de ça, nous commençons à corriger tout ça, oui. Nous avons corrigé, mais nous pas optimum, puisque nous avons une phase de réforme. Tout le temps, pas traversé là, nous avons jamais une réforme normale, là, non. Dans le bâtiment, qui a fait là. En novembre 2017. Et c'est ça que tu as préparé là. Ça ne peut pas les personnels, nous avons dit personnel. Non, docteur malhonnête, miss malhonnête, docteur malhonnête, personnel administratif malhonnête. Et toute catégorie de monde malhonnête dans l'hôpital là. Ce n'est pas tout le monde qui malhonnête, mais gros paquet pratique malhonnête. Et c'est eux qui empêchent l'hôpital là fonctionner. L'homme dit ça, syndicat dit oui, oui, non, ce n'est pas syndicat, je ne dis pas tout le monde. Gros paquet qui malhonnête, oui, mais il faut dire. Phénomène raquette là pour beaucoup, dans mauvais fonctionnement. L'hôpital général, selon docteur Maurice Fismainville, grâce à la bataille, il est engagé contre la situation depuis le rive dans HUEH. L'institution a rentré presque 24 millions de gouttes l'année passée, alors que avant ça, recette annuelle de l'hôpital général a été entre 10 à 13 millions de gouttes selon le responsable. Il fait qu'on est HUEH accueilli plus de 200 000 patients pour seulement l'année passée.